Bonjour et bienvenue dans la chronique de l'Odyssée. Aujourd'hui, la chronique numéro 18 qui est consacrée aux 28 ans de l'Odyssée. Mais pour commencer, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, développez les, appliquez et respectez les règles de sécurité sanitaire. En même temps, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être transformé en esclave consentant et abêti. Donc d'un côté, ne pas faire de bêtises pour se protéger soi et les autres, et de l'autre, veiller à ne pas être abêti et transformé en ceux dont, au sujet desquels, Bertolt Brecht disait « il y a ceux qui vivent et ceux qui sont vécus ». Le problème, c'est de vivre soi-même et de ne pas être vécu. Et puis surtout, développer votre proximité cinéphile en venant voir notamment des films à l'Odyssée, qui est, je l'espère, votre cinéma préféré. Alors aujourd'hui, les 28 ans de l'Odyssée, nous sommes une jeune fille ou un jeune homme, comme vous voudrez, qui n'est pas encore trentenaire, mais qui a déjà une certaine forme de maturité avec ses 28 ans. Le 24 septembre 1992, l'Odyssée ouvrait ses écrans au public après 6 années d'interruption. Et depuis le 24 septembre, sur donc 28 ans, c'est presque à plus d'un quart, presque un tiers de l'existence de cette salle prestigieuse que vous voyez derrière moi, qui a commencé le 3 janvier 1914, donc sur une période de 106 ans. Il y a eu à peu près 8 ans de fermeture, donc ça fait 98, et sur 98 années, eh bien ça fait 28 années qui ont été gérées dans le cadre d'une association à but non lucratif. Alors, je voudrais dire que l'Odyssée est une miraculée de la vie, que si elle est revenue, si elle a connu une renaissance, une résurrection, si vous voulez, eh bien, c'est grâce à la combinaison d'une volonté politique, celle de la ville de Strasbourg, qui change de majorité en 1989, et cette majorité, conduite par Catherine Trottmann, eh bien, notamment grâce à l'action de son adjoint Norbert Angèle, à qui je rends hommage, eh bien, elle avait mis dans son programme la réouverture de l'ABC et d'autre part, la combinaison de cette volonté politique avec un engagement militant pour le 7e art, qui est celle de notre association Les Rencontres Cinématographiques d'Alsace. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que je ne vais pas maintenant parler de tout ce qu'on a fait en 28 ans, mais je voudrais d'abord rendre hommage à deux compagnons, deux camarades, deux amis qui étaient présents au début de cette aventure et qui malheureusement ont disparu en cours de route et plutôt au début de ce cours de route. Il s'agit de Édouard Zulk, formidable ami qui était secrétaire général de la FOL, Fédération des œuvres laïques, sans la présence duquel on n'aurait pas eu le courage, rien n'aurait été possible. Et d'ailleurs, la grande salle de l'Odyssée que vous voyez autour de moi, eh bien, est appelée la salle Édouard Zulk. Donc, hommage à ce grand ami qui a beaucoup contribué à rendre possible l'aventure de l'Odyssée, et à un autre ami dont le nom est accolé au salon, au premier étage, qui s'appelle José Clemente. Ils demeureront, en tout cas, dans notre mémoire, à nous, les anciens des Rencontres Cinématographiques d'Alsace. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'anniversaire des 28 ans, c'est l'anniversaire des RCA à l'Odyssée. Je sais bien que ça provoque un certain nombre d'irritations, de polémiques, de gens qui essayent de faire croire que nous n'aurions pas la légitimité. Mais ça fait 28 ans que l'on fait vivre cet endroit, qu'on a sauvé de la mort et de la disparition, qu'on n'aurait pas la légitimité pour assurer la poursuite de cette action. Je me demande quelle est la légitimité, quels sont les résultats, quels sont les palmarès de ceux qui essayent de minorer, d'ignorer et de salir l'action des RCA. Mais bon, la caravane passe, et de ce point de vue-là, nous sommes une caravane. Et la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, comme disait l'autre. Mais ça va revenir, évidemment, à la mode
de plus en plus. Alors, ce que je veux dire, c'est que les rencontres cinématographiques d'Alsace ont été créées en 1986, date de fermeture de l'ABC, qui était le nom de cette ancienne salle, qui a été vaincue par les lois du commerce, du business. Et personne à l'époque n'a levé le petit doigt pour sauver l'ABC. Et donc, un certain nombre de gens sont vraiment très malvenus et leur hostilité montre tout simplement qu'ils ne sont portés que par une haine et par cette fameuse stratégie du coucou qui s'agit, enfin, qui prend le nid des autres, soit-on. Voilà. Mais derrière ça, il n'y a pas un projet. Notre projet pour l'Odyssée et sa réouverture, au risque de que ça revienne à agiter un chiffon rouge devant des gens qui ne cherchent que à avoir le prétexte de nous critiquer, eh bien, je dirais délibérément que c'est une démarche vertueuse et désintéressée. Une salle de cinéma avait fermé, une magnifique salle de cinéma. Vous voyez le rideau qui date de 1913 et nous avons eu une conception pour relancer ce lieu, vertueuse parce qu'un cinéma disparaît, ce cinéma doit renaître. Désintéressé parce que le modèle économique qu'on a mis en place, c'était un modèle de fonctionnement à but non lucratif, en disant que ce lieu, en réouvrant, ne doit pas concurrencer les salles privées et commerciales de Strasbourg, donc doit s'astreindre à un certain nombre de contraintes de programmation pour ne pas être concurrentiel avec les autres, ce qui se traduit par une subvention municipale. À l'époque, nous pensions que la subvention municipale devait être de 25%. Aujourd'hui, nous pensons qu'elle doit être de 35 à 40%, car le contexte de la pratique de visionnement de films a changé. Il y a eu une démultiplication des fenêtres de visionnement. Et que, parallèlement à cette subvention de la ville, eh bien, il devait y avoir, par la billetterie, et par les locations de salles et par la recherche de sponsors et de mécènes, eh bien, un complément. Résultat des courses, nous avons à peu près chaque année, d'une part, un chiffre d'affaires annuel de 691 000, arrondissons à 700 000, ce sera plus simple, euros par an. Nous montrons, dans le cadre de 4000 séances, tout public, quelque chose comme 400 films, plus d'un film par jour, et nous sommes aussi, ce qui n'était pas prévu, mais c'est comme Christophe Colomb, il est parti pour aller aux Indes, il n'est jamais parvenu aux Indes, mais au passage il a découvert un continent, eh bien nous sommes un bassin d'emploi de 14 personnes, pardon, qui représente à peu près 12 équivalents temps plein. Et donc, c'est un cinéma qui a une programmation de cinéma, mais qui en même temps essaye de diversifier cette programmation, des activités en direction du théâtre, de l'opéra, des arts picturaux, et également des ciné-concerts et d'autres choses. Et notre force, c'est cela. D'autre part, il y a d'autres conceptions qui disent non, il faut, l'Odyssée n'est pas un cinéma, mais c'est un lieu qui devrait être valorisé, où on fait à travers des, soi-disant, des collectifs, d'associations, toute une série d'activités, dont le cinéma en passant. C'est juste un point de vue inversé, c'est la révolution copernicienne chez nous, c'est du cinéma et d'autres choses, et non pas d'autres choses, dont un peu de cinéma. C'est d'ailleurs le modèle économique que nous avons et le modèle qui revient le moins cher pour la collectivité, c'est-à-dire pour la ville de Strasbourg, c'est-à-dire pour les contribuables. Nous avons une subvention de 240 000 euros, soit 80 cents par habitant de la ville et 40 cents par habitant de l'Eurométropole, puisqu'il n'y a pas que les gens de la ville de Strasbourg, mais tous les gens de la couronne strasbourgeoise qui est donc des municipalités de l'Eurométropole qui viennent à l'Odyssée. Ça va toujours mieux en le disant, donc il n'y a pas de raison de ne pas l'évoquer. Alors, ce que je veux dire, c'est que
Ce qui est intéressant, c'est que le défi que nous avons eu à relever, eh bien, c'était le défi de faire revenir les gens à l'Odyssée, alors que depuis 6 ans, ils ne revenaient plus. Et deuxième défi, de les faire revenir avec une programmation qui était d'une part essentiellement européenne, alors que les cinématographies européennes sont étrangères sur leur propre sol en termes de fréquentation. C'est le film américain, nord-américain qui prédomine. Nous n'avons rien contre le film américain, je le répète. Nous, on est contre les monopoles. D'ailleurs, nous avons consacré tout l'été un cycle à ce magnifique et formidable réalisateur qu'est Quentin Tarantino. Et puis, également, un autre axe de programmation qui est important, c'est la mémoire du 7e art à travers des films du patrimoine, qu'ils soient très connus ou moins connus. Et puis enfin, un engagement citoyen et humaniste, et qui doit se traduire notamment par des projections débat. On est assez fiers que l'année 2019, on a fait 248 projections débat, ce qui est unique. Et même pour 2020, qui est une année amputée, eh bien, nous en sommes à 88, je crois, projections débat, alors qu'il y a eu plus de 3 mois de confinement et de fermeture des salles de cinéma, et qu'il y a toute une série de règles sanitaires, et puis qu'il y a, il ne faut pas se leurrer, une certaine réticence du public à se retrouver dans des endroits clos à plusieurs. Mais je rassure tout de suite tout le monde, à l'Odyssée, comme d'ailleurs dans toutes les autres salles de cinéma de Strasbourg, eh bien, il y a des précautions sanitaires qui sont prises et qui font que, surtout avec l'application du masque, mais aussi la présence de gel hydroalcoolique, le respect des distanciations de courtoisie, eh bien, il y a vraiment peu de prises pour que, sauf imprudence délibérée, il y ait une circulation du virus au moment du visionnement et d'une projection de visionnement d'un film et d'une projection de cinéma. Alors, ce que je veux dire, c'est que, en regardant les chiffres, toutes les salles de cinéma de France et de Navarre ont vécu un peu, qui ont eu 3 mois et demi de fermeture. Nous, ici à l'Odyssée, on relançait la machine, on réamorçait la pompe, comme on dit, après 6 ans de fermeture. Eh bien, tout ce qui est intéressant, c'est que depuis le 22 juin, nous avons perdu, pour ce qui nous concerne, à peu près 18% de chute de fréquentation. Vu la fragilité de notre économie, car nous programmons principalement des films qui n'ont pas de grands potentiels commerciaux, mais qui ont une réelle valeur artistique, eh bien, c'est quand même effectivement un problème. Mais c'est en tout cas moins que les autres cinémas de Strasbourg, qui, eux, en moyenne, perdent entre 48 et 64% depuis le 22 juin, date de réouverture des salles de cinéma. Mais, évidemment, grâce au système du chômage partiel, il y a des salles qui ont réduit le nombre de nombre de séances. Donc, c'est une chute qui est aussi décidée pour... ce qui est tout à fait normal et logique, pour réduire les coûts de fonctionnement dans cette période de crise virale. Ce qui est évident, c'est que les réticences qu'il peut y avoir de la part du public dureront aussi longtemps qu'un vaccin éprouvé et qu'un traitement efficace n'auront pas été trouvés. Et donc, dans la meilleure des hypothèses, et j'espère me tromper, mais malheureusement, je crois que ce ne sera pas le cas, dans la meilleure des hypothèses, il n'y aura pas de rétablissement de conditions sécurisées, ultra sécurisées de projection, et de fonctionnement de la société à l'abri du virus,
avant la fin du premier semestre 2021 ou le début de l'automne 2021. Espérons que je me trompe, mais j'ai bien peur que non. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis le 1er janvier, nous avons une perte de fréquentation, une chute de fréquentation qui est de l'ordre de 48%, là où dans les autres salles de cinéma de Strasbourg, la perte est de 49 à 60% à peu près. Voilà. Donc la situation est grave, elle n'est pas à désespérer parce qu'il faut toujours se battre, mais elle est sérieuse. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé aux nouvelles autorités municipales une action pour, qui ne concerne pas que l'Odyssée, mais qui concerne l'ensemble des salles de cinéma, qui en contrepartie d'une aide accepterait de faire un travail en direction du cinéma, des cinématographies d'Europe, et aussi à travers une politique tarifaire préférentielle, un travail en direction des quartiers de la ville, bien, pour faire en sorte qu'une population qui a malheureusement tendance à se considérer comme exclue ou mise à l'écart, eh bien, puisse se réinsérer de façon dynamique, positive, dans le tissu social, parce que, je le répète, les salles de cinéma sont un bien commun et développent un formidable lien social, bien, et qu'il faut mettre ça en valeur. Pour notre part, nous avons plein de projets et en tout cas, à tout le moins, jusqu'au 31 décembre 2021, on verra après ce qui va se passer. Ça va dépendre des décisions et des choix de la ville de Strasbourg. Eh bien, nous voulons intensifier notre travail. Contrairement à ce que des gens, disons, plutôt pas très bien informés pourraient croire, ce n'est pas maintenant que nous prenons l'initiative. Nous continuons à prendre des initiatives. Notre slogan « Le cinéma autrement » signifie aussi la chose suivante. S'il y a une chose qui ne change pas à l'Odyssée, c'est bien l'innovation permanente. Bien, pour que les choses soient claires, eh bien, nous avons la volonté, la ferme volonté, d'enrichir le sillon tracé depuis 28 ans en direction de la mémoire du cinéma, en direction surtout la dimension européenne et des cinématographies européennes, en direction des étudiants et en direction des quartiers de la ville de Strasbourg au nom d'une solidarité républicaine et citoyenne. Bien. Et je dois dire que, en même temps, nous nous renouvelons. Nous avons une jeune garde qui est en train de se former pour prendre la relève de Chauve, comme votre serviteur, qui lui a déjà annoncé publiquement, si je parle de moi-même, que je ne continuerai pas comme directeur au-delà du 31 décembre 2021. Et que nous sommes en train, très dynamiquement, très activement, de préparer une relève opérationnelle. Et en même temps, notre association est en train de s'élargir, de gagner des expériences mûres, de personnalités qui sont de plus en plus compétentes, je parle de celles qui nous rejoignent, que ce soit pour les tout nouveaux, trois nouveaux administrateurs, notre ami Sylvain Schirmann, qui a été directeur de l'Institut d'études politiques de Strasbourg, qui est professeur à l'Institut d'études politiques de Strasbourg et qui est devenu vice-président des RCA Odyssée, que ce soit Alain Collat, qui est l'administrateur principal de la BNU et qui est devenu administrateur chez nous, qui est accompagné par son collaborateur Emmanuel Marine, qui devient adhérent de notre association et avec qui nous travaillons, que ce soit Dominique Jung, qui a une personnalité remarquable comme les précédentes et qui va nous aider notamment dans le domaine du chantier engagé pour élargir nos relations avec les étudiants et l'Université de Strasbourg, et que ce soit Jean-Marie Braume, qui va nous accompagner pour le travail en direction des quartiers. Donc une grande diversité, l'Odyssée les réunit là où la vie parfois sépare, et donc
nous sommes non pas en ordre de bataille, mais en ordre d'action pour intensifier le travail que nous développons, porté par une passion du cinéma, une certaine passion du cinéma qui est la nôtre et qui est partagée par des gens de très très grande qualité et qui rencontrent, il faut bien le dire, et j'en suis très très reconnaissant à nos amis spectatrices et spectateurs, qui rencontrent le soutien et les encouragements de notre fidèle public que nous nous efforçons d'élargir en permanence. Voilà ce que je voulais dire à l'occasion de nos 28 ans. Les plus beaux de nos jours sont devant nous. Quand je dis nous, ce n'est pas des individus. Rappelons-nous le proverbe chinois magnifique qui dit que quand le sage monte la lune, les naïfs regardent le doigt. Ce ne sont pas les personnes uniquement qui sont importantes, je parle des chauves, des anciens, mais c'est une association qui a de l'expérience, qui a des résultats et qui, je dois le dire, est une des rares associations qui a cette longévité dans sur le terrain de Strasbourg, dans le domaine du 7e art. Et donc, personne ne peut avoir l'argument qui serait stupide de dire « Ah ben, vous existez depuis 30 ans, donc maintenant il faut que… » C'est comme aussi idiot que si on disait « Bon ben, le conseil municipal de Strasbourg existe depuis plus de 100 ans, donc il faut qu'on ait une autre formule où un parti politique existe depuis telle durée et il faut qu'il n'existe plus, il faut qu'il y ait de la nouveauté. » Ça, c'est de la démagogie vilement et bassement populiste. Les plus beaux de nos jours sont devant nous. Et nous vous invitons à venir les partager avec nous dans notre passion du 7e art et du cinéma, qui est un puissant lien social et de pratique de solidarité républicaine et citoyenne. À très bientôt, merci, au revoir.